avec plus d'entrain, s'il te plaît, plus de joie pour le stream. Bonsoir. Un peu trop fort. Faut que je me calme. Bon. Alors, ce soir, comme marqué dans le titre, ça va être extrêmement simple. On va réaliser le code. Parce qu'il faut que je l'ai, putain. Ça va pas être bon ce soir. Hein. Comme le stream, c'est juste une heure que je fais. Par contre. Parce que je réviserai pas le code plus d'une heure. Pour ma santé mentale. Alors, mes points forts, c'est prendre et quitter son véhicule, le conducteur et les autres usagers. Par contre, mes points faibles, c'est les notions diverses, la route et la circulation. Est-ce que c'est étonnant? Non. J'ai un collègue que j'ai fait tester pour rigoler. Il a le permis et tout. Hein. Il a fait 29, cet enculé. Mon collègue. Dans ma classe, c'est celui que t'as moi qui t'a vendu le mec. Il a eu 29. Je me suis foutu de sa gueule. Bah, toi, t'as le permis, enfoiré, hein. Allez, on lance la série en mode examen. Tu veux voir? Ou t'en fous? Bon, au cas où, sur Discord, je te fais le partage d'écran, hein, si tu veux. Non, mais sur Discord. Passer en direct, voilà, c'est pour toi, ça fait plaisir. Quoi, c'est quoi le problème? Ah, j'ai cru que ça avait enlevé. Lancer. Alors. Si. Nickel. Ben non, parce que c'est... Ça veut dire qu'il y a une intersection, connard. C'est lui qui a le panneau CD. Je fais signe au conducteur de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oh, je pratique moi l'arrêt. Vas-y, passe, frérot, passe. T'es en plein milieu de la route, tu niques toute la circulation. Sorti. Dans cette agglomération, les trains de route se situent à 150 mètres. Réponse A. Réponse B. Après avoir conduit 2 heures, il est bon de faire une pause d'au moins 5 minutes. Réponse A. Oh, 15 minutes. Quand... Quoi? Quoi? Quand y a un mec qui a le permis depuis 6 mois, s'il est contrôlé positif au glouglou, il perd son permis. Parce qu'il perd 6 points. Et ils ont un feu ou pas, ces connards? Quand il y a un feu vert, bah non, non, il y a feu vert pour moi, c'est à moi de passer. Bah les couilles du piéton. 47, personne derrière, les gens ils sont là. 48, moi bon, ça limite à 50, c'est feu vert. Il y a une Gova qui sort de là. Depuis le poste de conduite, je vois tout ce qui se situe devant mon véhicule. Oui,
tu vois tout ce qu'il y a devant et pas tout ce qu'il y a derrière. C'est logique. J'approche d'un passage à niveau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les barrières sont fermées. Oui, réponse B. On me pose la question si les barrières sont fermées. Il y a un putain de panneau avec marqué fermé en dessous. Alors, je suis beau être con, je suis pas con à ce point-là non plus, gros. Déconne pas. Malgré l'excellente visibilité et l'absence de véhicule, le conducteur du véhicule bleu a l'obligation de s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce stop est justifié. Oui, réponse C. Non, réponse B. Comment ça justifié? Qu'est-ce que je veux dire par justifié? Oui, justifié, je sais pas. Alors, c'est limité à 30. Je suis à ma place sur la chaussée. Ah. Ouais, à côté, c'est une voie de bus. Bah ça va, nique la police. Bah tu t'engages immédiatement s'il y a personne qui arrive. Bah dans le passage piéton, c'est logique. Merde. Pour conduire, il faut avoir une acuité visuelle minimale de 1 dixième. Le rôle du limiteur de vitesse est de ne pas dépasser une vitesse définie. Réponse. La balise à droite signale l'intersection. Réponse A. Un obstacle. Stop troll, on tryhard. On tryhard de code. Tu m'étonnes. L'intervalle de sécurité derrière moi est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Non. Je laisse démarrer le véhicule bleu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un parcours tragique, hein. Ouais, on va dire oui, allez. Ouais, et être moins vigilant aussi. Cette indication présente dans tous les véhicules donne des renseignements sur l'installation. Comment ça, BD, fils de pute? Nique-toi, Eddie. C'est moi le pro ici. C'est pas parce que t'as le permis maintenant qu'il faut faire le mec. Mais on va se battre demain. Demain, on se bat.
L'impression qu'il n'y a plus l'œil du coffre. Installation de la roue de secours. Non. Chargement du coffre. Non, c'est pas le temps de répondre, enculé. Matière dangereuse. J'ai clairement marqué dioxyde de carbone, quoi. Ouais. Allez, roule, 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 bombarde, bombarde, bombarde. Va plus vite. Va, s'en va, là, qui tu casses les couilles. Accélère. Accélère. T'as 70, mec, tu vas à 2 à l'heure. Wow, 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 wow. Clairement pas. Clairement pas, t'as failli rentrer dedans. Position sol, ça suffit. T'as rien à dire, Eddie. Je sais que je me suis trompé. Je le sais. Un mètre. Même plus. Si tu peux. Non, au contraire. Par mieux, petite pute. 30 km/h. 50. Ouais, on va dire 50. But, c'est quoi le SP? Super. Ouais, on va prendre une queue. Ah, je sais même pas ce que c'est. À ton avis, Eddie, c'est quoi? Mais garçon, je me suis déjà fait niquer là-dessus. Oh, t'auras 29 sur 40. J'ai fait 29 sur 40 la compte de ton père. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le meilleur? Baise-moi, bouge, j'ai fait 4 fautes de moi. Hein? J'ai fait 4 fautes de moi. Eh ouais, mais tu savais que si un médecin du SAMU te demandait de faire un massage cardiaque, tu dois le faire? Même si t'as pas appris à le faire? Je trouve ça complètement con.
Oh, je suis trop fort. Le SP, ça sert à corriger la trajectoire en cas de perte d'adhérence. Comment ça éclaté contre le pare-choc, mon pote? J'ai fait 4 fautes en moins. Demain, on va se manger un tête, mon pote. Je vais déchirer tes morts. Ah, je suis trop fort. Mécanique et les équipements. C'est quoi que je me suis trompé? Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de répondre aussi. Casse les couilles. Hein. Ouais, je suis un rageux, ouais. BD, ah ouais, t'avais raison, sale enculé. Et bien raison. Et double fuck. Allô? J'ai mon voice mode, il a craché. Ouais, demain, connard. Alors, la route, j'ai fait 5 sur 6. C'est sur quoi je me suis trompé? Ah, c'est le feu de croisement. Je comprends rien au niveau des feux, mec. Mais en fait, je comprends pas quand faut activer un certain type de feu et tout. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Les feux de position, c'est quoi? D'accord. Alors, par ordre de grandeur, tu mets position, après croisement, après route. D'accord. Je comprends mieux. La circulation routière, 4 sur 6. Je sais pas, je tirais pas à 150 mètres, merde. Le premier virage est à 70 mètres, j'avais bon. Et à gauche, en quoi c'est à... Oh, je suis triso. Oh, le mec, frappe-moi, je suis triso. Et en vrai, j'ai viré 29 sur 40. Je suis trop fier de moi. Tu supprimes la série que mon collègue a fait. Je fais une évolution de 4. C'est énorme. Mec. Officiellement. Le 14 février. Donc le jour de la Saint-Valentin, ça fera un an que je suis sur le code. Tu regardes les séries que j'ai fait, mec. La première, c'était le 14-02-2020 à 9h19. Et la deuxième, c'était le 03-06-2020 à 22h40. Je suis un putain de génie. Après, 16-11-2020. On passe de 0,306. Alors déjà, il y a 4 mois qui passent entre la première et la deuxième. Et il y a encore 4 mois qui passent entre la deuxième et la troisième. Non, 5 mois. Et là, c'est le moment où j'ai repris. Le 15, le 15, le 15, le 19. Ah, 19, c'est aujourd'hui 21.
Alors on fait une autre série. Go. Je suis bien placé pour aller en face. Réponse A. Pour tourner à gauche. Réponse B. Pour tourner à droite. Bisous mon bijou. Voie de véhicule lent. Ouais. Je tourne en cédant le passage en face. Oui. Non. Réponse A. J'ai le feu vert. J'ai un doute sur l'intention de ce piéton. En plaçant le pied devant le frein, je réduis mon temps de réaction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La distance de freinage. Oui. Réponse A. La voiture peut être confisquée en cas de conduite sans permis? Oui, réponse A. Non. Je place le pied au-dessus du frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me déporte. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une question de piège, ça. À l'arrêt, mon champ visuel est de 180 degrés. À 130 km/h, le champ de vision exploitable est identique, 180 degrés. Réponse A. Deux fois moins large, 90 degrés. Réponse B. Quatre fois moins large, 45 degrés. Réponse C. Six fois moins large, 30 degrés. Réponse cette position est adaptée. Réponse A. Dangereuse. Réponse B. Fatigante. Réponse C. Alors, deux secondes. Hop, on ferme Discord. Et on rouvre. Fatigante, go. J'ai une voiture 50, ouais. La signalisation impose de changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non. Ces piétons ont raison de marcher de ce côté. Oui. Ouais. En circulation, le temps de réaction est d'une seconde en moyenne. Réponse A est égale à la distance de sécurité. Réponse B influence la distance d'arrêt. Réponse C influence la distance de freinage. Réponse D. Je veux ça. Aucune idée. Tous les points lors de la période probatoire équivaut à un permis invalidé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ouais, je sais pas. Cette conductrice est en infraction. Réponse A. Non.
téléphone au volant, frérot. Hein. Le jour où on a le droit, ce sera TB. Le fameux stop and start. Important, ouais. Les passagers, un malaise. Je m'arrête à hauteur du panneau. A, réponse A. B, réponse B. Le B. Le véhicule recule. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ouais. Voilà, foutant. Oula. Et en derrière, dangereux. Je m'engage derrière le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, il y a un vélo. Non, attends un peu. Je peux faire un appel minimum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, je vois pas le problème. Lors de la mise en place de la roue de secours, serrer les écrous à la main suffit. Oui, réponse A. Oui, ouais. Ça suffit, frérot. Si tu veux que la roue elle parte, ça suffit. T'as un virage devant, c'est mort. T'es fou. Quand on roule vite, le champ de vision exploitable n'est pas modifié. Réponse A. S'élargit. Réponse B. Le rétrécir. Hein. La descente annoncée est faible. Réponse A. Forte. Réponse ouais. B. Tous les 100 mètres, je descends de 8 mètres. Oui. Réponse. Ouais. Voilà. Je prends le volant sans risque si je prends des médicaments comportant un pictogramme de couleur rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. De couleur orange. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans les deux cas, non. Mauvaise idée. Que j'ai le choix. Non. Cet appui-tête est bien réglé. Oui. Ouais. Parfait. L'ABS a raccourci les distances de freinage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'ESP détecte une adhérence médiocre. Oui. Réponse C. Non. Je sais plus ce que c'est l'ABS. Avec le cycliste, je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre. Réponse A. 1,50 m. Réponse B. Je reste au milieu de ma voie. Ouais, suffisant. Pour parcourir moins de 10 km par an, il est préférable de choisir un véhicule. Diesel. Réponse A. Sens.
cet enfant de 5 ans est bien installé? Dans la situation A, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la situation B, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Chiap. Non. Non. Ouais. La ceinture. Position de la ceinture. J'ai l'œil. Sur 40, ça je suis assez constant. C'est pas mauvais tout ça, je suis content. Les autres usagers 7 sur 7, monstrueux. Après celui qui est nickel, ça c'est nickel. C'est quoi ça déjà? Ouais. Alors, je me suis trompé sur ça. Ah, fallait mettre, d'accord. Ok, bon, c'est pas. Hein. Ah, ça sert à rien en fait. Il y a vraiment rien. Non, ça c'est fort du pourcent. C'est rien. Merde. Ah, oh, je m'en doutais. Oui, ah bah ok, nickel. Moi, c'est clair. Environnement, c'était quoi? Ah, non, ça. Ok. Sécurité, c'est quoi? Je suis trompé avec ça. Le conducteur, je suis trompé là-dessus. Ah, c'est rien, à ce point-là. Ta mère. Ah oui. Je sais pas. Allez, encore une autre. Enculé. Un conducteur novice est en infraction dès que le taux d'alcool dans le sang atteint 0,10 g par litre. Réponse A. 0,20 g par litre. Réponse B. 0,30 g par litre. Réponse C. 0,40 g par litre. Réponse D. 0,20 g par litre. Ah ouais, c'est trop fort. Un embouteillage, réponse A. Un accident,
ça, je pense. J'ai jamais vu ce panneau. Au point. Dans quelle zone se situe la principale source de danger? En A, réponse A. En B, réponse B. Désolé, je suis en mode tryhard là. Quelle est la meilleure installation? A. Réponse A. B. Réponse B. B. Le mec qui faisait des appels de phare derrière, je pense que ça veut dire qu'il y avait un truc. Vaut mieux pas. Mon véhicule est muni de laine freinage d'urgence. La fuite. J'appuie à fond sur le frein. Réponse A. Je débraye. Réponse B. J'allume les feux de détresse. Réponse C. Je sais pas, aucune idée. Je tourne à droite. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Non, c'est pas passé. Ah. Non, faut que je suis bloqué, ouais. Je m'arrête.
pas, on se coûte au cul là. Remplir le lave-glace avec de l'eau est une bonne solution. Non, très mauvaise idée. Pas moins d'hésitation. Précède, je suis pas sûr. Putain, ça me fout de doute. Je suis même plus sûr de ce que ça veut dire. Clairement pas. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ouais. Avant de quitter son véhicule, il faut s'assurer de l'immobilisation. Réponse A. De la fermeture des portes et des vitres. Réponse B. Transporter des passagers dans une caravane est sécuritaire. Réponse A. Dangereux. De cas, c'est oui. Ok, mon micro dit rien. Ok. Et ton petit traveur, ça. Par contre, tranquille, les vieux là. Ouais. Un accident vient de se produire. J'appelle les secours. Avant d'avoir évalué l'état des victimes, réponse A. Putain, je fais que perdre de 1-1-1. Casse les couilles.
Ils me font chier avec leur environnement de merde. J'aurais jamais dû dire ça. Par contre, la vérité casse les couilles. Et des Oreos aussi, ouais, je sais pas. Non. Oh. D'accord. Notions diverses. 3 points. Ok. Je vois pas en quoi, mais ok, si tu veux. Je dis rien, je suis trompé sur quoi. Ah, apparemment, non, plus bas. Il va falloir que tu te retires. Rejoins le bord d'appel d'urgence, d'accord. Ok. C'était non, ok. Et de 30, ok. J'ai répondu. Là, c'est dégueulasse. D'accord. D'accord. La carbone, on va chercher dans la carbone. Tac, tac. Premier secours, je suis à 75%. C'est normal. Oui. Et quoi, on va faire une série rapide sur une notion diverse. Je roule à plus de 100 km. Je risque un retrait de 6 mois. Et tout. Si le permis est invalidé, le droit de conduire est retiré pendant 6 mois. Réponse A. Non. Réponse B. Non plus. Non, non, non. Certaines infractions faites lors de la conduite accompagnée risquent de m'empêcher de passer le permis de conduire. Oui. Cette remorque est utilisée occasionnellement. Il faut vérifier l'état des pneus. Oui, réponse. Suite à une formation traditionnelle, durant la deuxième année de...
8 points. L'éthylomètre affiche 0,08 mg par litre d'air expiré. Pour ce conducteur novice, son alcoolémie est au-dessus du seuil maximal autorisé. Réponse A. En dessous du seuil maximal autorisé. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction en cas d'alcoolémie positive. Réponse A. De franchissement de ligne continue. Je mets tout. Hein. Faire monter et descendre les enfants côté trottoir demande beaucoup d'organisation. Réponse A. Est une bonne habitude à prendre. Réponse B. Est plus sûr. Réponse C. Durant la période probable, il est conseillé d'avoir dans son véhicule plusieurs gilets haute visibilité. Oui. Réponse A. Non. Plusieurs infractions verbalisées simultanément peuvent faire perdre au maximum 4 points. Réponse A. 8, je dirais. En période probatoire, la perte d'au moins 3 points suite à une infraction oblige à suivre un stage de. Lors d'un contrôle routier, vous devez présenter le permis de conduire. Réponse A. L'attestation d'assurance. Réponse B. Le certificat d'immatriculation. Réponse C. Le procès verbal du contrôle technique. Je vais dire tout. Après l'obtention du permis de conduire par la conduite supervisée, la durée de la période probatoire est de 2 ans. Réponse A. 3 ans. Réponse 2. 15 sur 20, ça, c'est 3. Allez, merde. Putain, il va s'en sortir. Je suis dégoûté. Oh, fait chier. Ah non, ouais, ça aussi, je m'en doutais. J'ai rien en dessous de 50%. C'est nickel. Ah, voilà. Bon. Bah on a terminé. Hein. Tiens, passage. Allez vous abonner à la chaîne de mon collègue Chop. Il est streamer aussi. Et lui il va streamer plus longtemps et plus souvent que moi parce que... Pour une raison très très simple. Il n'a pas cours. Donc il streamera plus fréquemment que moi. Attendez, je vais vous montrer son Twitch. Merde. Je sais pas quoi. Je peux écrire. Xpulse. C'est un truc comme ça, non. Xpulse TV. Ah, c'est carrément pas lui. Bon, je pense pas si je pense pas que je trouverai là. Bah attends, on va voir sur Discord, son Discord normalement. Je sais, il a un serveur. Il a un petit serveur. Oh putain. Ah, je sais comment je peux vous le donner. Voilà. C'est bon. On est bon. Merde. Normalement, c'est ça. Voilà, il est là. Il est juste ici. Donc si vous voulez aller le suivre.
est juste là. Il n'a que 4 followers, donc allez-y. Hein. Allez-y, c'est important, faut y aller. Cliquez. Cliquez sur ce bouton-là. Pas celui-là, mais celui-là. Cliquez. Faut cliquer. Merde. Bon. Sur ce, les gens, j'ai gagné un peu de temps pour moi faire une heure de stream. Au moins, je suis à 57 minutes. C'est déjà pas mal. Oh, je suis un escroc, putain. On va fermer Discord. J'ai installé un petit voice mode. On va pouvoir s'amuser sur les prochains streams. Clin d'œil. Clin d'œil. J'ai mal aux yeux. Bon. Sur ce, bisous les gens, et à la prochaine.